C'est vrai que moi je suis un peu comme l'institution d'un boxeur qui a souvent gagné ses combats, mais à qui on demande de continuer à gagner des combats avec une main attachée dans le dos, une main dans le plâtre. Donc il faut que le boxeur ait la même efficacité avec une seule main. C'est quand même compliqué, mais on s'accroche. Avec ma petite expérience, il y a des moments où j'ai vécu avec des équipes qui étaient remises en question, en difficulté, pour les raisons que chacun d'entre nous peut trouver. Mais moi, je pense qu'effectivement, le potentiel des joueurs, lorsqu'il sera de nouveau de retour, nous permettra de vivre des moments bien meilleurs dans la saison. C'est difficile pour le moral parce que bon, quand une équipe gagne et a de confiance, tout leur réussit. Je pense que nous, quand on n'a pas de confiance, c'est plus difficile que les choses nous réussissent. Bon, il faut retrouver la confiance. On ne va pas non plus dire que tout ce qu'on a fait, c'est nul, parce que ce n'est pas le cas. Il faut être équilibré et savoir dire les choses qui sont négatives et les choses positives, c'est tout. Se focaliser sur ce qu'on a été et pas penser à notre futur proche et au moyen terme, ça serait une grosse erreur aussi. Donc la comparaison entre le top 14 de cette année et le top 14 d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 15 ans, j'y crois pas un instant. La concurrence est beaucoup plus dense. Les contraintes sont très difficiles pour n'importe quel technicien. Et vous verrez que dans les clubs où il y a beaucoup d'internationaux, il y aura des moments où ça va tanguer aussi. Alors bien sûr, ce sont pas des excuses, ce sont des contraintes qu'on a au quotidien.